Beaucoup perdent confiance. Non, moi, ma foi ne va pas durer 9 semaines et puis plus rien. Ma foi est plus forte que cela. Ça fait 7 ans que j'attends un miracle et je continue de croire et d'avoir confiance. Il faut savoir que quand vous perdez confiance et que vous luttez pour retrouver la confiance, votre foi augmente. C'est pareil. Vous avez remarqué qu'il y a des gens colériques. Par exemple, Padre Pio, un saint italien. Il a passé toute sa vie à lutter contre sa colère. Eh bien, au moment de sa mort, la colère a disparu car elle est liée au corps humain et il lui reste une force extraordinaire de contrôle de lui-même. Ce qui veut dire que quand vous luttez contre un défaut que vous avez et qui est lié au corps humain, en réalité, vous développez une force contraire qui s'épanouira au ciel et votre défaut disparaîtra au moment de la mort. Par exemple, je pense aux obèses. Ils auront un puissant contrôle d'eux-mêmes. Je pense aussi aux déprimés, qui augmentent leur joie de vivre. C'est pour ça, ne jugez pas les gens, car les méchants, s'ils ont lutté toute leur vie contre la méchanceté, ils seront super gentils au ciel. N'oubliez pas qu'on est tous unis. Quand quelqu'un commet un péché, on est tous concernés, car s'il y a trop de péchés dans le monde, ça peut déclencher une guerre ou une catastrophe naturelle. Il ne s'agit pas non plus d'aller brûler des sorcières ou des satanistes, ou de développer de la colère contre les pécheurs, mais essayez plutôt d'augmenter la puissance de votre prière grâce à la messe, la lecture de la Bible, le chapelet, la confession, la prière avec le cœur, le respect des 10 commandements, puis priez pour tous les pécheurs pour qu'ils retrouvent le bon chemin. Surtout, n'oubliez pas de lutter pour garder l'espérance et la confiance. C'est dans la tête que ça se passe. Larmes de sang. Voici un miracle que vous connaissez bien. Les statues de Marie qui pleurent des larmes de sang. Je m'arrange toujours pour vous présenter des statues que vous ne connaissez pas. Je vous présente ici 15 statues qui pleurent. Si vous voulez m'aider, mettez un j'aime, partagez ma vidéo, regardez les anciennes publications, soyez présent à 18h pour la sortie de ma vidéo, abonnez-vous à mes 2 chaînes, faites des playlists, et n'hésitez pas à répondre aux commentaires, calmement, sans agressivité. Prière pour Marie. Fermez les yeux et répétez après moi. Marie, prie pour que les drogués et les alcooliques trouvent du soutien dans leur famille. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Fermez les yeux et répétez après moi. Marie, prie pour Marquis, un adolescent de 15 ans qui veut être baptisé. Prie pour François, qui n'a pas le moral. Prie aussi pour Chloé, qui a peur car elle est enceinte. Prie pour aider Grazina et sa famille. Prie pour Jackie, qui veut connaître la joie dans la prière. Et enfin, prie pour que tous les abonnés trouvent la prière avec le cœur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvrez les yeux et regardez Marie. Fermez les yeux et répétez après moi. Marie, je te remercie pour toutes les grâces que tu m'as données depuis que je connais Medjugorje. Je suis inquiet et j'ai peur pour ma famille. Je sais que tu vas intervenir et j'ai confiance en toi. J'ai compris que tu demandes juste qu'on t'ouvre notre cœur et qu'après, tu t'occupes de tout le reste. On ne peut pas te réclamer des grâces et ne pas faire ce que tu demandes. Notre foi est forte, et s'il faut attendre 6 mois, on attendra 6 mois. Le secret, c'est l'espérance et la confiance. Et pour finir, un autre Père. Comme Marie nous l'a demandé. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voici une vidéo ultra rapide de ce que je vends.
la boutique www.croasier.fr. J'ai très peu de moyens, mais vous pouvez faire un geste pour m'aider. Vous trouverez toutes les infos pour me faire un don dans la description sous la vidéo.